Hey, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Dreamlight Valley, le fameux Animal Crossing Into de Disney. Bonne journée à toi! Et puis je me lance, je suis en train de se reposer et de se détendre. Donc oui, c'est un Animal Crossing. Dans les grosses lignes, moi je préfère... Pour une fois, alors que c'est Disney, hein, je préfère clairement ça à Animal Crossing. Donc j'ai commencé l'aventure sans vous. J'avais fait une petite vidéo, mais je me suis rendu compte que le début était long, chiant et fastidieux. Voilà. Donc je vous montre un petit peu ce qu'on peut faire. Donc, et avant, juste ici, je vous mettrai un extrait. Un petit croco. Voilà. Il y avait plein de racines partout. C'était chiant, c'était la galère, donc j'ai réussi à tout déraciner, parce que le but en fait c'est de remettre le monde de la Dream Valley dans son jus d'antan, on va dire. Parce qu'il y a eu une malédiction qui a fait que tout le monde a oublié des choses, une malédiction qui s'appelle l'oubli. Pas très fut-fut. Et ils sont tous dispersés parce que dans la vallée, à cause des épines, on oublie un petit peu de tout. Donc après, comme dans Animal Crossing, hein, on peut pêcher, on peut piocher, on peut faire du jardinage et compagnie. Je le trouve vachement plus complexe qu'on peut faire des recettes. Tiens, le ballon forêt de Picsou qui est encore mieux scruté. Hop, à la différence qu'il y a, contrairement à Animal Crossing, je pense qu'ils vont prendre extrêmement soin parce que nous pouvons avoir un pass gratuit qui nous permet justement d'avoir des choses nouvelles tous les jours. Je vais aller voir Wally. Parce que là, j'ai un objectif, c'était d'aller voir Wally. Parce que j'ai débloqué le château des rêves. Allez, on y va, pousse-toi toi. J'ai vu un truc popper là. Donc pour l'instant, ouais, franchement, moi c'est un jeu que j'adore. Et là, je découvre la planète. Ah ouais. Il est trop chaud. Je crois que chez Disney, en fait, il n'y a que les Pixar que j'adore. Qui ont tous un attrait moral. Oh! Pourquoi je la ferme? Voilà. Il y a un truc ici. Basilic. J'espère que je la bouffe sur moi. Parce que je suis en train de tout péter, mais je n'ai pas fait gaffe à mon stock de bouffe. N'aie pas peur, petit Wally. Est-ce que c'est... Oh là, je suis mal. Est-ce que le coq est considéré comme une pièce? Si oui, je peux lui donner un coup de pioche dans la gueule. On va voir à quoi ça sert maintenant. Ah, c'est un espace de stockage de corps de Wally. Ah, ben je vais prendre. Je ne veux pas savoir ce que Wally faisait qu'un concombre. Une poignée de porte de réfrigérateur. Porte de réfrigérateur, d'accord. Donc ouais, c'est bien des déchets inutiles que j'ai récupérés. Ouais, net.
Une chenille de Wally. Des fringues. Voilà. Salut Samoyemi. Bonjour Wally. Tu as l'air contrarié, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, tu ne peux pas bouger. Je vais trouver un moyen de régler ça. Ok. Sauve mon petit Wally. Quand ça se trouve, les trucs n'étaient pas anodins. Alors, est-ce que j'ai un truc à fabriquer là-dessus? Non. Oui, je peux construire une piscine aussi. On peut construire, contrairement. Voilà. Youpi, Wally, tu veux réparer? Mission Terre. Tu veux nettoyer la Terre? Tu as besoin d'aide? Vous savez que tu transformes ces déchets en cubes empilables. Je parie que je pourrais faire ça à la station d'artisanat. Utilisation d'artisanat pour fabriquer des cubes de déchets. Je sais pas à quoi ça me servir. Voilà, c'est tout propre. Il est content. Ce monde est... étrangement beau. Cet endroit présente beaucoup de... Il est content. Tu veux plus de plantes? On peut faire ça et faire planter les graines. Attends, je bouffe un truc. Non. Ah oui, j'avais ça. Qu'est-ce que c'était? Lunettes d'aviateur classique. Tiens, je vais en planter une ici. On va prendre une pause qui est là. C'est quoi, regardez. On va faire un truc sympa pour lui. Ah non, je peux pas. Eh ben attendez, non. J'ai deux autres, je peux y garder pour moi. Connard! La bouffe, ça part vachement vite. J'aurais dû me faire un plat à cuisiner avant de partir de chez moi. Elles sont belles. C'est chouette d'avoir pu t'aider, mais maintenant j'ai besoin de ton aide, Wally. Tu veux venir dans mon village? Alors peut-être que Merlin saura comment te mettre plus à l'aise. Je vais aller me demander.
Demander à Merlin de dire oui. Putain, j'aime bien ça, j'aime bien en décoration juste en chemin. Par contre, c'est une petite arbre, c'est pas tellement chemin. Je vais en profiter pour. Pour me faire à bouffer. J'ai pas eu de salade de fruits. Ah, crocu! Ne cherchez pas, je l'ai appelé crocu, puis c'est tout, personne ne juge. Comment ça, aucun item à planter? Ah ouais? Je peux pas le planter ici? C'est dégueulasse. C'est pas le droit de me faire ça. Alors, au cas où, je vais me faire une salade de fruits. Oh tiens, pomme carotte. C'est pomme. C'est juste carotte. C'est pomme. Oh! Soupe aux légumes. Bien. Je vais me faire une salade de fruits. Deux que je vais revendre. Hop. Ouais, pour une salade de fruits, j'ai juste besoin d'une banane. Transférer les petits cailloux à mon charbon. Ça va me vendre juste une salade de fruits. Ah non, je veux mon poisson. Ah ta gueule, Mickey. On saoule pas. Oh, attendez, il y a un beau truc là. Petit peu de topaz, ça fait pas de mal. Et je veux pareil, je veux récupérer les cailloux, pas la fleur, putain. Petit haut. Alors, putain. Oh, il y a plein de trucs qui poussent partout. Comment ça va? Non, pardon, lui, je peux plus l'empiffrer depuis ce matin. Il m'énerve. Je vais en mettre ça, j'ai pris une soupe. Quoi, j'ai combien? C'est que j'avais assez pour agrandir la baraque. Merlin. Et où, mon gros Merlin? Donc oui, par contre, le jeu est en temps réel. Donc, c'est-à-dire 8 heures dans le jeu, 8 heures chez vous. C'est ton rêve. Tu es le seul à pouvoir agir. Waouh, et tu es en bleu. Est-ce que ça se rêve bleu? Oh, bonjour. Je me souviens maintenant, un adorable petit robot. Il semblait plutôt heureux dans la palais avant. J'imagine que tu dois d'abord gagner sa confiance. Réfléchis, qu'est-ce qu'il aime? Non, ça lui apporte des objets qu'il pourrait garder précieusement, même si ce sont des déchets, tes yeux. Il y a peut-être des trucs et des machins que tu pourras porter à Wally. Peut-être que les déchets de Picsou peuvent devenir des trésors volés. Bien, tu peux y aller maintenant. Hein? Tu peux pas récupérer les champignons? J'en suis sûr, ça coûte une blague. Oh putain, mais j'arrête pas de penser au fric. Hein. Il faut du fric.
puis en plus par la Picsou ça va être des heures de bazar. Bonjour. Oui, salut. Salutations amis, que peux-tu faire pour toi en cette journée ensoleillée? Je dois trouver un objet intéressant pour un ami comme... Un parapluie. Un extincteur. Non. Qu'est-ce que grenat? À bientôt. Les gemmes ont une chance de tomber de n'importe quelle roche minière du village. Hé hey, Picsou, t'es vraiment un rat. Tu es vraiment un fils de pute. Toi un jour tu as fini en canard à l'orange. Je suis vraiment menacé Picsou? Oui! Oui messieurs dames, je viens de menacer Picsou. Ouh des carottes. Rien du tout. On va faire une petite ellipse hein, si je les trouve dans les trucs, je vous dirai. A tout de suite. L'ellipse n'aura duré que très peu de temps. Alors, juste ici, j'ai pas eu le temps d'accrocher, enfin de record parce que c'est rapide. Il y en avait une, vous allez voir ici la plantation noire. Et regardez ça, je vous prie. Comme ça. Je m'en fous, allez, tiens, oui, là, le poisson. Ah non, regardez-moi ça. 3 grenats, 2 topazes. Si ça, c'est pas beau, un coup de chance. Au cas où, j'étais parti pour celle-là aussi. Parce qu'en fait, vous, des fois, vous avez des événements, vous avez tout un tas qui pop et vous avez quoi, 5 secondes pour ramasser le plus possible qui se sont dispersés. Ok. C'est parti. Il est où ? Petit bâtard. Bonne journée à toi. Ah, les grenages, les vois briller tes mains. T'es vraiment un rat. Mais tu es un rat, sans déconner! Le mec a vu briller dans mes mains! C'est quel level de fils de puterie, ça! Allez, l'autre, je vais gagner le topaz. Salut! Excuse-moi. Non! Je me séparerai pas de mes cailloux, c'est pour ma piscine. Oh, je vais pouvoir vous montrer l'agrandissement d'une maison. C'est l'œuvre de toute une vie. Non, parce qu'en fait, il y a deux manières d'agrandir, et à l'extérieur et à l'intérieur. Salutations, voisin. Pardon, sous-fétiche. Tu n'as pas agrandi ma maison. Tu as rénové tout au plus. T'es un rat. Je veux ma piscine. Plus je regarde, il manque combien pour ma piscine. 187 pierres, 46 webpans. Que ça ? C'est que des bruits bien. Tu crois que je t'ai pas entendu foutre de ma gueule? Espèce de rat! Ça, je pouvais lui mettre des coups de pied. Tu peux venir me voir? Je vous l'ai fait avec la voix de Mickey ou avec la vraie? Si, j'ai entendu dire que tu avais trouvé un nouvel ami et emmené dans la vallée! Il s'appelle Wally!
Non, ça c'était moi, merde. Alors, il s'appelle Wally et c'est un jardinier comme toi, c'est un robot, n'est-ce pas génial? Je sais pas de pixel, mais qui était un jardinier. Un robot, c'est cool! Donc tu cherches quelqu'un pour qui dise confiance. J'ai une super balle rebondissante qui devrait lui plaire. Oh oui, tiens, je vais aller voir. Bien sûr, elle est chez moi. On se revoit vite. On se revoit vite et je me coupe pas dans la gueule. Pardon, j'ai jamais supporté la voix de Mickey. Je préférais encore quand il sifflait. C'est du vol? Mais ça vaut le coup. Ah, en fait, dans une cuisinière, je peux avoir accès. Oh, c'est cool. Vous voyez, je viens découvrir un truc de dieu. T'as vu, Mickey? Il est chez lui, lui, vous voyez? Oh, il y a un truc à pêcher encore. Ça fait du fric. Ouais! J'ai dosé une baleine! Wouhou! Y a que ça pour te faire plaisir. Voilà. Je bouffe une bonne soupe. Ah, j'ai cru qu'il allait rien se passer. Ah, bref. Qu'est-ce qu'il a le lapin? Je pousse la gueule. Bon, l'autre, il doit pas être chez lui. Donc après, à savoir que tout le village est modulable, hein, vous pouvez tout modifier, moduler, à votre guise, hein, c'est complet là-dessus. Je vais même pas savoir que tu me disais là-bas. Oui, tu crois que je pousse quoi, t'es-ce que ça, pousse ça, je vais tester. C'est prélassé. Ok. Ah, je me prélasse en invitation. Je pensais que ça allait me reposer, même pas. Content de te voir. Salut les papettes, qu'est-ce que j'entends à propos d'un petit robot que tu as essayé d'accueillir dans la vallée? Wally. Ouais, il est... très timide. Crois-le ou non, je suis un peu timide moi aussi parfois. Toi, maintenant. Ouais, sur le truc intéressant, j'aime bien avoir quelque chose pour toi, désolé, mais j'adorerais te montrer cette botte que j'ai pêchée dans les temps d'autres jours. Quoi, une plante pousse dans quoi? J'ai comment sont les bottes, t'es bon par deux. Tu devrais aller pêcher dans les temps. La prairie, je parie que tu pourrais sa partenaire. A plus tard. Bon ben... opération piège. Enfin, pêche. Tiens, voilà le vieux. Ah! Merde.
Vraiment déjà plus de bouffe là? Voilà. Ouf. Ah! On sait quoi? Ellipse jusqu'à temps que je trouve la botte. Et je vais la trouver juste après. Alors voilà les amis, bon après une petite dizaine de minutes à pêcher comme un gros porc, je l'ai enfin trouvé. Ça a été long, chiant. Ah, maintenant faut que je rapporte à Wally, c'est cool. Avant je vends un petit peu... Truc inutile. Content de te voir. Mon content de te voir. Moi dédié, j'ai venu te vendre des trucs. Je vais te vendre ça, ça et ça. Et voilà. Bon, maintenant on va enfin savoir comment on récupère Wally. Et après, je pense qu'on arrêtera la vidéo ici. Oh, ça a bien poussé. Attends mon salaud. Il en reste un pour que je suis toi. Voilà, je te donne tout ça. Un extincteur, la balle de Toy Story et une botte. Bravo. Je savais que tu allais les aimer. J'espère que tu sentiras chez toi dans la vallée. Il y a plein de choses à récupérer là-bas. C'est que tu montres, c'est toi. Ça veut dire que tu voudrais mieux. Je vais préparer ta maison. Oh! Assure-toi que Wally soit confortablement dans le village en plaçant dans sa maison. Oh, ça veut dire que je vais devoir placer sa baraque. Oh, un peu cher. Aménagement, placer une maison, tu la trouveras dans le menu meubles, ouvre inventaire. Entre dans le menu maison et choisis celle que tu veux placer. Place-la où tu veux dans la vallée, tu devras demander l'aide à Picsou pour l'améliorer. Tu sais quoi, juste pour te faire chier Picsou. Je vais la placer derrière chez toi. Non là. Voilà. Ok. Ensuite. Bonjour. Le petit robot semble un poil nerveux, mais n'aie crainte. Nous pourrons lui offrir un endroit où il se sentira chez lui. Fais confiance aux constructions Picsou par tous les besoins de construction. Aïe. T'as même pour ces miracles des thunes. Tout est prêt pour notre petit retamé robot. Avec l'expertise de Wally en jardinage, économie dans une vallée, va fleurir au goût sûr. Du coup, je pourrais faire un petit peu. Oh, classe. J'adore. Accueille Wally. Tout est prêt pour Wally. Accueille-le dans ton village. C'est génial, j'adore. Ah! J'ai pas l'occurrence avec un arrosoir. Bienvenue à Dreamlight Valley, Wally. J'espère que tu vas aimer, il y a encore beaucoup de travail à faire. Essaye d'éviter les épines nocturnes, s'il te plaît. Ah, ouais.
Et bien voilà, maintenant il ne restera plus qu'à modifier un petit peu le sol et tout ce qui s'ensuit. Mais pour l'instant, on va y voir comment c'est chez lui. Oh, vachement grand, mon salaud. Ok. Là. Là. Là, il y a un secret. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Wally est un peu difficile à comprendre, mais cela en vaut la peine. Ce petit robot a un grand cœur et il y a beaucoup de nuances dans ses O et ses A. Ok. Ok. Cool, 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 cool. Ok, bon, ça c'est fait. Eh ben écoutez, les amis, on va s'arrêter là pour la vidéo. J'espère vous avoir fait découvrir le jeu et son univers qui, franchement, moi, je suis pas Disney. Hein. Vous me connaissez, Disney, je suis plutôt l'opposé. Mais là, je dois dire quand même que c'est excellent. Ils ont bien ficelé le truc. C'est un bon jeu qui, j'espère, réservera pas mal de choses à l'avenir. Et voilà. En attendant, je vous demande de bien vous porter, buvez bien, c'est important, une bonne bière, ça fait toujours plaisir. On se dit à la prochaine, tchuss, cool. Salut. À la prochaine. Au revoir. Qu'est-ce que vous foutez encore là? Allez, skoll.